Je m'appelle Amy Vachon-Chabot. Je suis la présidente de la fête franco-albertaine et je voudrais vous souhaiter la bienvenue à la cérémonie d'ouverture de la 30e fête franco-albertaine. Je savais pas qu'il y avait autant de francophones ici. Je ne savais pas quoi m'attendre. Tout le monde est prêt? Dans 3, 2, 1, c'est parti! Bon, dans des compétitions internationales comme ça, faut mettre toute notre concentration à la bonne place. On les a battus la première round, mais là, ils sont beaucoup meilleurs, puis on fait un grand comeback. Pour les jeunes là, qui nous écoutent, qui aimeraient devenir à votre niveau à pétanque, c'est quoi? Beaucoup d'entraînement, un régime particulier? Ça l'inclut pas mal tout ça, là. Je sais pas ce que... Je peux dire, on peut le couper. OK, ouais. Beaucoup de sambuka. La communauté francophone, c'est tellement gros, mais en même temps, on a l'impression qu'on fait juste partie d'une famille, puis on connaît tout le monde, mais même si on les connaît pas, on a l'impression de les connaître. C'est pour ça que j'aime tellement la fête franco. On voit des gens qu'on voit jamais et des gens qu'on voit aussi qu'on rencontre à l'école, on n'a pas le temps de voir. Là, c'est de se voir dans un autre milieu, dans un autre contexte, d'avoir le temps de se parler. Chose exceptionnelle, trois générations de joueurs de fer. Ah ben nous autres, on a joué ça un peu au Nouveau-Brunswick. Il y en a qui sont plus spécialistes que nous autres. Mais là, on a passé ici, on va essayer de faire un jeu de fer à cheval. Fait que là, notre petit Noah, ben là, il veut jouer avec nous autres. Il nous donne un peu de misère, mais on va en venir à bout. Ça vous rappelle-t-il les souvenirs que vous montriez à votre gars? Mon gars, je pense qu'il n'a jamais joué au fer à cheval avec moi. Ça ferait pas, hein? Ça... Ouais. Ça ferait un peu. Ouais, c'est ça, ouais. Bonne fête Franco, bonne fête Franco, bonne fête, bonne fête Franco. Es-tu plus un fan des Oilers ou des Flames? Hey, je pense qu'on va gagner. Tu penses? On passait beaucoup. On attaquait beaucoup. Les jaunes, là, ils ont l'avantage d'avoir une fille sur leur équipe, fait que le gardien a dû faire des belles arrêts. Bien, heureusement, pas de pénalité encore pour avoir parlé anglais sur le jeu. Ça fait que ça va bien.
va jouer dur dans les coins. On a vu un gars rouler à terre sur l'asphalte. C'est-tu quelque chose qui vous stresse, ça, le jeu physique? Non, ça me stresse pas du tout, mais on va faire attention pour pas qu'il y en ait. Puis c'est pas quelque chose que je recommanderais, rouler sur l'asphalte avec des genoux, pas d'équipement. Alors, ouais, s'il faut, on va peut-être même les laisser passer. Si on peut se pratiquer tout le monde ensemble devant la caméra pour rire un peu. Est-ce que ça, c'est un micro? Un petit rire là, de réchauffement. Je veux-tu l'emprunter à chaque séance? Ça va bien, c'est l'heure. De l'apéro. C'est important dans la tradition francophone. C'est une belle... En plus, le soleil est sorti. Ouais. Raconte-moi l'importance de l'apéro à la fête francophone. Écoute, la journée commence à l'apéro, tu sais. Pour te dire l'importance. Non, pas vrai. C'est ma toute première fête franco. Je suis très heureuse du site. C'est merveilleux. L'apéro, pour répondre à ta question, ben, c'est toujours bien le fun. Il est toujours 4 heures à quelque part sur la planète. Fait qu'on peut la commencer à 2, à 4, à 5, c'est pas grave. C'est radio et télé, je suis derrière avec la caméra. Juste derrière toi. Bien caché derrière toi, il y a Hugo dans le buisson. C'est ma deuxième! C'est ma deuxième! C'est quand même du fun quand même. Nous autres, les enfants, tout le monde, ouais. Ouais, non, c'est le fun. C'est le fun. Ouais. Les enfants, je pense qu'ils ont passé l'après-midi, ça grévite. On les voit passer avec des gros babayes. Ouais, dégorger. Exemple. J'ai pas dit gorger, c'est moins bon. Très ordinaire. Par contre, si je dis gorger avant de prendre la gorgée, exemple. Gorger. Un délicieux nectar. C'est comme faire respirer un bon vin. Ne gaspillez plus une gorgée ce soir. Bonne fête,